Sainte-Cécile, il y a plusieurs équipes dévouées pour les personnes fragiles. Nous allons dans le métro et dans les rues. Il y a une équipe qui est dédiée aux prisons. Et nous souhaitons qu'elle aussi puisse mobiliser vos prières pour les personnes fragilisées, doublement fragilisées, qu'elles rencontrent dans les prisons. Et voilà, dorénavant, elles auront elles aussi la parole. Voilà, moi je voudrais vous parler d'Olivier. Olivier, je l'ai rencontré il y a 4 ans en prison à Nanterre. C'est un garçon qui va bientôt avoir 40 ans, qui a eu une histoire très difficile. Il a vécu en Guyane pendant 7 ans où il a été badeloté, abandonné par sa mère. Il est arrivé en France, il a vécu dans les cités, dans les banlieues, avec la drogue, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme circonstances pas très faciles pour s'ancrer dans la vie. Et il est en prison parce que il a été violent avec sa femme, pourtant qu'il aime. Il a eu une très lourde condamnation de 10 ans. Et ce garçon a fait un chemin formidable en prison. Je l'ai rencontré très régulièrement pendant ces quelques années. Il a découvert le Seigneur, il se pose plein de questions, alors il réfléchit beaucoup avec sa tête, donc petit à petit on essaye d'apporter la réflexion du cœur aussi. Et là il est dans une autre prison ailleurs. Et il risque d'avoir une nouvelle condamnation pour un acte qui est sans gravité, mais qui risque d'être très grave pour lui s'il y a cette nouvelle condamnation. Et du coup, je voudrais vraiment que vous priez pour lui, parce que ce serait une catastrophe s'il y avait cette nouvelle condamnation pour lui, parce qu'il ne croirait plus en la vie, il arrêterait ce chemin qu'il a entamé. Et je sais que c'est essentiel pour lui, voilà, qu'on soit nombreux à prier pour lui et à lui permettre de croire à nouveau en la vie et en tous ses talents, parce que c'est un garçon qui a plein de talents. D'ailleurs, il est sur un projet pour faire un disque. Et pareil, si cette condamnation arrive, il ne pourra pas avancer sur ce projet-là qui lui permettrait de découvrir que la vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue et que ça vaut le coup de se lever, même quand on est en prison. Donc je vous appelle vraiment à prier pour Olivier dès maintenant et avec ferveur.